La princesse Charlène pourrait être forcée de manquer le 7e anniversaire de ses jumeaux car elle a besoin de paix, de repos, de tranquillité et d'apaisement tout en continuant à se remettre d'une mauvaise santé. La princesse Charlène est brièvement revenue à Monaco en novembre après avoir passé près de 8 mois en Afrique du Sud après avoir contracté une mystérieuse maladie qui l'a forcée à subir plusieurs opérations. Le prince Albert a discuté des derniers développements de la santé de sa femme, insistant sur le fait que l'absence de Charlène de Monaco était convenue pour assurer son rétablissement complet alors qu'il rejetait les discussions sur les problèmes dans leur mariage. L'absence de Charlène pourrait cependant signifier qu'elle manquera les célébrations d'anniversaire de ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, qui auront 7 ans le 10 décembre. S'adressant à Paris Match, le prince Albert de Monaco a déclaré « Elle était vraiment épuisée. Épuisement général, physique et moral. Elle ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable. Ce n'est pas non plus un problème de couple. Notre couple n'est absolument pas en danger. Je tiens à être clair sur ce point. C'est vraiment la conséquence de toutes les opérations qu'elle a subies ces derniers mois. » Le souverain monégasque a insisté sur le fait que sa famille restait sa priorité alors qu'il appelait à la tranquillité alors que Charlène continue de se rétablir, il a poursuivi, elle a besoin de paix, de repos, de tranquillité et d'apaisement. Tout le monde doit comprendre cela. Je le dis gentiment, laissez-la tranquille, laissez-nous tranquille un moment. Les jumeaux, la soutiennent dans son rétablissement en lui envoyant beaucoup d'amour. Ils savent aussi qu'ils auront des messages d'elle très bientôt et que nous irons la voir dès que possible. Albert a cependant admis que la santé de la princesse Charlène avait affecté leurs enfants, car il a révélé que Jacques et Gabriella avaient maintenant été retirés de l'école et suivaient leurs leçons du palais.